Radio VL. Radio VL. Alors avec toi Audrey, on va commencer avec ce violent clash entre Patrick Sébastien et une chroniqueuse d'Europe 1. Voilà, c'est oui, ça. J'ai lu ça, c'est incroyable. Là, il pète les plombs. Là. Ah oui, oui, il pète les plombs. C'est pas acceptable de traiter quelque chose. C'est incroyable. Ça, hein. C'est incroyable. Mais il est quand même par moments un peu assez violent dans ses propos. Quand même. Vas-y Audrey. Ouais, donc en fait, il ne faut visiblement pas chercher Patrick Sébastien. Donc la semaine dernière, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur D8, l'animateur du plus grand cabaret du monde et des années bonheur a poussé un coup de gueule contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'État doit intervenir concernant ses pratiques, mais la semaine dernière, dans le cadre de la promotion autour de son livre et de son mais album... Il en fait d'ailleurs de la promotion. Oui. Ouais. Patrick, le il le fait peut-être un peu exprès aussi. On le voit partout en ce moment. Je sais que j'achèterai pas. Hein. Il pousse un peu... Donc Patrick Sébastien a dû faire face à une personne qui ne partageait pas son point de vue. L'animateur-chanteur était en effet l'invité de l'émission Déclic et Déclac sur Europe 1, qui s'intéresse aux réseaux sociaux où l'anonymat est roi. En face de lui, la chroniqueuse Agnès Léglise, qui a repéré de nombreux commentaires anonymes sur le blog de Patrick Sébastien, n'a pas hésité, si tu veux, à lui en parler. Hein. Voilà. Mais très vite, le ton est monté entre les deux chroniqueurs autour de la modération sur les forums et les blogs. Donc ça finit comme ça, je vous laisse écouter. Mais continuez à parler, vous êtes sûr que vous allez avoir raison, entre vous. Allez vous faire enculer, qu'est-ce que je te dis. Bon, alors là, vraiment, ça c'est très... Eh oui, c'est minable. Vous en réglez vos problèmes ailleurs, mais c'est l'arme là. C'est vraiment ça pour monsieur, alors voilà, une telle belle éducation, un tel et tel argument. Journal de la culture. Je vous emmerde et je vous emmerde. Mais non, c'est splendide. Il a pété les plombs, hein, Patrick voilà, Sébastien. Geneviève, vous allez pas nous faire un truc comme ça, là. Vous partez pas comme ça. Hein. Donc c'est très charmant. Donc voilà. Mais bon, Patrick Sébastien a quand même donc tenu à s'excuser, pardon, oui. Et donc a fait une petite vidéo qu'il a postée sur le Internet, net. Ouais. Voilà. Donc je vous laisse écouter cette magnifique vidéo où il présente ses excuses de magnifiques. Façon bizarre. Bon, voilà. Excuse profondément, on ne dit pas va te faire enculer une jeune femme, ni un garçon d'ailleurs. Donc je lui ai dit ça et je m'en excuse vraiment. Et j'espère quand même qu'elle y allait et que ça l'a détendue. Voilà, je voulais juste vous dire que quand je suis rentré chez moi, j'ai quelque chose qui m'a tourné dans la tête et qui ne peut pas être plus d'actualité. C'est ma chanson qui dit ça. C'est bien fait pour ta gueule. Effectivement, oui, c'est voilà, original. C'était très sympathique. C'est quand même incroyable qu'un type comme ça, qui a quand même des heures de vol, comme on dit, qu'il puisse pas se dominer. Vraiment. Non, mais c'est ça le souci, parce que d'accord, il s'excuse, mais le problème, il a quand même de la bouteille. C'est quand même dommage, je veux dire, si tu veux, vu la façon dont il s'excuse. Oui, en plus, voilà. Oui. Allez, Audrey. Vous souhaitez assister aux émissions en public? Rien de plus simple. Envoyez un mail à contact@radiovl.fr.